on doit aller tout là-haut. Parfois, la montagne peut être vraiment dangereuse. On est en plein milieu d'une tempête. Oh non! Relève-toi, tu peux le faire! On est foutu. On va crever ici comme des merdes. Est-ce que ça va? On dirait que tu as mal à la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cette montagne là-haut? C'est le mont Colombier. Aujourd'hui, nous allons monter tout là-haut. Regardez un peu la taille de ce truc. C'est incroyable. Ça doit faire au moins 50 mètres de haut. On passe un super moment ensemble. Cet endroit est vraiment magique. Oh crotte. Je pense qu'on est quelque part par là. Ici, il y a deux chemins. Et je ne sais pas lequel est le bon. Aucune idée. On est perdu, mec. On est foutu. On va crever ici comme des merdes. C'est ça, rentre chez toi. Venez par ici, vite. Ralentis, ralentis. Regardez ce trou. Fous-moi le camp, t'es beaucoup trop près. Je n'en suis pas certain, mais ça pourrait être un serpent. Ici, dans les montagnes, il faut être très prudent avec les serpents et aussi les ours. Je pense que ça pourrait être un petit ours. Maybe it's a beaver. Ou une marmotte. On ferait mieux de foutre le camp. Are you alright, brother? I'm feeling okay. Woohoo! Mais qu'est-ce qui s'est passé, l'ami? What happened, bro? Oh no, no, no! J'ai marché dans une crotte. Oh, you can't do that, bro. C'est une bouse de vache. Regarde, elle se fout de ma gueule en plus. C'est pas cool. Si je t'attrape, tu vas passer un sale quart d'heure. Parfois, la montagne peut être vraiment dangereuse. On est en plein milieu d'une tempête. Putain, on en prend plein la gueule. On doit survivre et rentrer à la maison, retrouver nos familles. Tu peux le faire. On va quand même pas crever ici, non? Come on. On l'a fait, mec. On a retrouvé la civilisation. J'en reviens pas. Beau travail. Ça a été dur, mais mission accomplie. Sacrée montagne. Regarde, de l'eau potable. On est sauvés. Le mont Colombier est l'un des endroits les plus hostiles que nous ayons dû affronter. Nous avons dû constamment repousser nos limites. Mais grâce à quelques techniques de survie, un mental à toute épreuve et un peu de chance, nous sommes finalement sains et saufs. Nous avons au moins appris une chose aujourd'hui. La nature est toujours plus forte que l'homme, mais l'homme, bah, il est quand même bien balèze. Allez, ciao, à la prochaine.
Salut les copains, venez par ici. Voyons voir ce sac à dos. Oh, flûte alors. C'est une blague? Bordel de cul. Je ne pourrais jamais porter ça. Take off, little shit. Are you okay, brother? Regardez-moi ces chaussures. Je viens de les acheter. On dirait des pantoufles. Ce sont des Crocs 2.0. Oh shit. You like that? Oh, come on. Eh ben, il y en a beaucoup. Oh no. Oh, oh shit. What? How do you feel, bro? Comment tu te sens, mec? Ça a été une journée difficile. Honnêtement, on était sur le point de mourir là-haut, avec l'orage, la pluie. T'en as rien à foutre, pas vrai? I don't give a shit, bro. You don't give a shit about what I'm saying. Are you okay, dude? Est-ce que ça va, mec? Oui, ça va. I can't hear you. Je ne peux pas t'entendre. Ces petits cailloux sont très agréables sous mes pieds. Salut. Hey, buddy. What an amazing day. Quelle belle journée. What do you have to say about that, bro?